Il est un peu hésité, hein, Christophe Ferrier. On a cru à un moment que Vincent Beltoise allait en profiter, mais non. Mais en tout cas, là pour l'instant, oh, la dérive de Ferrier. Beltoise va en profiter. Il va passer Vincent. Il va passer, non. Oh là, Ferrier est parti en grande dérive. Ouais, Beltoise avait choisi intelligemment l'intérieur. C'était limite, hein. C'était limite. Mais Beltoise ne va peut-être pas le laisser partir. Attention, il a quand même creusé l'écart déjà un tout petit peu. Ah, il est bien, Beltoise, il est bien. Il est bien, ouais. Il est très très rapide. Alors qu'il y a une voiture Poulidor est là. Attention, notre chocolatier, j'ai l'impression, n'est pas parti. Et il y a un drapeau jaune là, il peut pas passer. Ah, il peut passer. Il peut pas. Il peut pas, il y a un drapeau jaune, dommage. Alors que là, la voiture du pâtissier est dans la farine. Allez, premier tour, Ferrier devant Beltoise et Louis Gervaison. Ces trois-là ont creusé l'écart. Hein. Ouais. Arlacher déjà remonté quatrième, on s'y attendait. Ouais. Il y a du Muller en lui, hein. Avec maman et tonton. Ouais. Allez, drapeau jaune là-haut, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un drapeau jaune. Ah, Sacha Prost! Aïe, à l'extérieur, coincé dans la poudreuse. Oui, mais il est hors trajectoire. Quel dommage, Sacha Prost, lui qui disait au micro de Philippe, je veux absolument rester quatrième. Eh ben oui, on verra demain. Ça arrive comme ça. Allez, on revient en tête de course avec Christophe Ferrier, qui n'a toujours pas décramponné. Vincent Beltoise, mais on ne peut pas doubler, il y a le drapeau jaune. Il y a un drapeau jaune en bas et un drapeau jaune en haut. On peut doubler nulle part. Ça va être compliqué. On a le podium. On peut doubler ni en haut ni en bas, comme au milieu, on ne peut pas non plus. Non. Et pourtant, Beltoise n'a jamais été aussi proche de Ferrier. Ah, et voilà. Non. Mais il ne peut pas, il peut pas, il y a toujours le drapeau. Oh, il se touche. Ouais, Beltoise qui pousse un peu son pote Ferrier. Oui, ils ont des rapports bizarres, ils se touchent. C'est moche, hein. Mais c'est vraiment dommage, parce que Vincent, ça fait deux fois qu'il aurait pu tenter quelque chose. Et tu penses bien que Ferrier, qui est tout sauf Fillot, profite des drapeaux. Oui, il le sait. Bah oui. Mais Beltoise, ça doit l'énerver un petit peu. Voilà, attends, parce que peut-être si on a dégagé la voiture de notre chef pâtissier, c'est fait. Là, on peut doubler en bas. Ah. Allez, à l'attaque, Vincent Beltoise à l'attaque avec Louis Gervaison qui est en embuscade. Beltoise en bleu foncé derrière la bleu moyen, on va dire. Et pour l'instant, ça passe toujours pas. Non, mais maintenant, peut-être que Vincent va se dire, ça y est, je vois qu'en bas, c'est dégagé. Et qu'il va préparer son attaque, car il est vraiment très proche. Hein. Il y a une seconde d'écart. Ah oui, ils sont très proches, tu m'as dit qu'ils se touchent. Oh, Ferrier qui a du mal en haut. Il y a plus de drapeau jaune. Ils sont en bas, ils passent. Et Ferrier va dans le mur. Ferrier qui ne partira pas, si, il va repartir. Il est passé, il est passé. Il a balancé quand même. Ouais, ça a été chaud. Ouais. Et du coup, Erlacher qui passe aussi. Ouais, qui se touche avec Ferrier. Quelle finale. Ah oui, je vous l'avais dit. Hein. Ouais. Et on sentait que Beltoise, ça faisait quand même trois tours qu'il pouvait passer en haut, qu'il pouvait passer en bas. Ah oui, il y a une morale parce qu'il était plus rapide. Hein. Les drapeaux jaunes en l'empêchaient. Et dans le quatrième tour, hop, plus de drapeaux jaunes. Ouais, et du coup, il passe. Les drapeaux jaunes, c'est comme les gilets de la même couleur. Bon, avec quand même une erreur de Ferrier qui est parti large. Hein. Ah ouais, Ferrier qui revient maintenant sur Erlacher. Oui, qui intelligemment en a profité. Qui est en train de le Erlacher. Ouais. C'est amusant ça. Très bien. Merci. Je retiens. Ouais, rappelez-moi votre nom. Claude Julien. D'accord. Clémentine Lost 5e, Louis Rousset 6e. Écoute, Clémentine est là sûre en ce moment. Hein. Et maintenant, oh là là, il y a la porte, la porte qui s'ouvre du côté de Ferrier. Opération porte ouverte pour Nice. un petit coup de froid. Il a intérêt peut-être à dépasser quand même, hein, parce qu'il a perdu pas mal de points. Bah oui, qu'est-ce que tu veux Surtout que Vincent Beltoise a le record du tour. Ça peut faire la différence. Un point de plus. Poulidor, on l'a bien énervé. Bravo Fifi, tu l'as énervé. Ouais, c'est de la faute de Fifi. Ouais, mais ça... C'est pas joli ce que t'as fait, Fifi. Allez, dernier tour. Ouais. En tête de course, on a perdu la tête de course. Ouais, mais on a 4 secondes d'avance sur Vincent Beltoise, sur Louis Gervaison, ça n'a pas bougé. Et c'est pas joli, mais ça a marché à l'intérieur. Ouais. Ouais, c'est vrai. T'as vu, il met du temps à répondre, mais il répond quand même. Il faut rallumer le micro, tu comprends. L'intérêt maintenant, c'est Ferrier lâché.
savoir si Christophe Ferrier va pouvoir tenter quelque chose sur un lâcher, ça paraît compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors que Vincent Beltoise a gagné une course somptueusement gagnée avec des drapeaux jaunes partout et un dépassement viril. Ouais, au viril. Mais bon, Ferrier est à l'extérieur, il s'est mis, il a eu raison. D'accord, il est cadrage, raison, ouais. Cadrage débordement ouais. De rugby. Hein. Et le voilà, victoire de Vincent Beltoise sur la Steff. Bravo Vincent. De Louis Gervaison, et non, Herlacher sera bien troisième et Ferrier n'arrivera pas. Non. À récupérer quelques points supplémentaires. Mais tu vois, Christophe Ferrier, il n'est pas blâmé pour sa course, il a fait une belle course, mais il n'est pas arrivé à décramponner au départ Vincent Beltoise. Ouais. Et ça, sur ce circuit, si tu ne fais pas le creux tout de suite, derrière, compliqué. Il y a des changements de rythme. Hop là, notre pâtissier s'est encore un peu enlisé là. Oui.